Des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Ben voilà, nous sommes sur l'avenue Lukusa, juste à côté des ronds-points Forestcom où se trouve l'office du journal officiel. C'est aujourd'hui la remise et reprise qui sera effectuée par l'ancien et les nouveaux. Les nouveaux, il s'agit de l'honorable Guy Moïdien Vita qui va prendre vraiment les dessus, qui va prendre les devants sur le journal officiel. Alors tous ensemble, nous allons découvrir l'ambiance qui va régner vraiment. Regardez, vous, immobile. Soyez les bienvenus, son excellence, monsieur le gouverneur. À vos ordres. Bonjour. Eh bien, on continue toujours notre tranche. Nous signalons la présence de toute annonce confondue. Je vous ai dit qu'il y a la délégation de la présidence, il y a la délégation de partout, le gouverneur de Tchopo, qui était ancien DG ici au journal officiel. Nous signalons aussi la présence des hommes de Dieu, comme à mes côtés, je salue en serviteur de Dieu. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Quel nom c'est ? Monsieur Chamboui Kabango. Chamboui Kabango, tes impressions à propos de la remise et reprise de l'honorable Guy Moïdien Vita ? Non, mais nous sommes très contents, c'est pourquoi nous sommes là, pour l'assister. C'est une bonne chose, il vient d'être élevé, il est de notre. C'est ça. Comment vous avez trouvé l'ambiance ? Non, l'ambiance est parfaite. Bonjour, son arrivée. Monsieur Claude Banza, je suis chef de division à la DGRAC. Bon, je crois que ça sera mieux qu'on puisse donner l'impression après l'effectivité de la remise et reprise. Bon. Et ça, c'est de pour nous, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme grand frère, c'est un peu comme la place. Il faut remercier d'abord le chef de l'État, c'est un peu comme un grand combattant, il y a une idée de place, à un peu comme ça. Moussa, il y a une idéologie, il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça. Le président sera ici. Le président sera ici. C'est l'Assemblée. Oui, oui. Monsieur le président, votre place est ici. Non, c'est mon faux. Le DG, c'est ici. Excusez-moi. Le DG, c'est ici. Monsieur le président. Merci. Le DG va s'asseoir. Un peu d'aération, un peu d'aération, c'est tout. Le reste là, nous attendons la base. La cérémonie du jour concerne la remise de reprise entre le directeur général qui est parti, actuellement gouverneur de province, et puis le directeur général, le nouveau venu. Nous allons bientôt commencer. Il s'agit entre autres de lire le procès verbal de la présente cérémonie. Procès verbal des remises et reprises. L'an 2019, le 10e jour du mois de décembre, nous s'y signons M. Louis-Marie Walé-Lufungula, directeur général sortant, M. Guy Kabombo Moïdien Vita et Mme Mireille Malengele-Kusona, respectivement, directeur général
et directeur général adjointe entrant avons procédé à la remise et reprise suite à l'ordonnance numéro 19/080 du 21 novembre 2019 portant nomination d'un directeur général et d'une directrice générale adjointe du journal officiel de la République démocratique du Congo. Il s'agit des éléments ci-après. Dossier en cours, antenne provinciale, compte en banque, matériel informatique et réprographie, matériel roulant, projet de coopération, partenaire et puis personnel. Voilà un peu le procès-verbal. Il sera signé par les autorités. Je vous remets la parole. Et le gouverneur, je dirais le DG sortant, je voudrais accorder la parole au directeur général du journal officiel. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, monsieur le membre du comité de suivi de l'accord, monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière stratégique, monsieur le chargé de mission du chef de l'État, messieurs les envoyés spéciaux du chef de l'État, monsieur le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, mesdames et messieurs, cadres et agents du journal officiel de la République démocratique du Congo. Comme son excellence, monsieur le gouverneur, vous avez vu qu'il n'a pas préparé de discours. Moi non plus, je n'en ai pas préparé. Parce que l'époque du discours est révolue. Je suis devant vous en ces jours par la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Je veux peut-être vous dire deux petits mots, parce que tout a été dit. Nous sommes ici pour matérialiser, rendre effectif la vision du chef de l'État. Je ne suis pas venu ici pour être servi, mais pour servir. Notre grandeur sera déterminé par la qualité du service que nous allons offrir à notre... Bonjour, monsieur le journaliste. Quelles sont vos impressions? Plutôt bonnes. Je suis heureux que finalement cette cérémonie ait lieu parce que c'est depuis 6 mois que je ne suis plus actif au journal officiel parce qu'ayant été élu gouverneur de la province de la Tshopo, et il était temps que... on puisse pourvoir à mon remplacement. Et c'est ce que le chef de l'État vient de faire en désignant Maître Guy Modianvita. Ok, avez-vous un message particulier à adresser au chef de l'État qui vous sent? D'abord, je dois dire merci au chef de l'État, et le remercier et le féliciter en même temps pour tout ce qu'il fait jusque-là. On sent une réelle volonté de transformer le Congo. Et je suis optimiste pour la suite. Et je le remercie aussi d'avoir finalement songé à pourvoir au vide qui était resté au journal officiel depuis mon élection. Et c'est ce qu'il vient de faire et son choix est judicieux parce qu'il a jeté son dévolu sur un juriste chevronné, un avocat de profession et puis un haut cadre de son parti, l'UDPS. Je pense que avec ce profil, je n'ai aucun doute qu'il y aura réellement continuité dans l'œuvre que j'ai initiée, que j'ai amorcée ici au journal officiel. Et ma joie également et surtout, c'est que nous nous inscrivons aujourd'hui, nous sommes en train de faire la continuité des passations pacifiques et civilisées du pouvoir. Ce qui s'est passé au sommet de l'État se poursuit aujourd'hui au journal officiel. J'en suis vraiment heureux. Et je crois que la suite augure déjà de bonnes choses.
Vraiment, la suite augure des bonnes choses. Je vous remercie. Je passe du côté de l'honorable Guy Moadianvita, qui est le directeur général du journal officiel. Bonjour, honorable. Bonjour. Vos impressions, j'ai vu l'accueil. Comment vous l'avez trouvé? Très bonne impression. Il est très difficile de parler de soi-même. Je crois que en arrivant ici, j'ai vu les écrits en bas d'immeuble. Et on va essayer d'aller dans ce sens-là. Il y a quelque chose de très remarquable que j'ai vu. On a écrit « Dialogue permanent ». Et je crois que c'est ce qu'on va faire pour pouvoir rayonner ces services, comme a dit le gouverneur, Son Excellence M. Wallé, que c'est un service très sensible, hautement stratégique. C'est avec l'appui de tout le monde que nous pouvons faire de ce service comme on en voit partout ailleurs. Ah oui, à voir, à la lumière de beaucoup de gens qui sont venus vraiment vous accueillir, cela prouve combien vous êtes leader d'opinion. Et qu'est-ce que vous promettez vraiment à tous ceux qui vous suivent en ce moment, à tous les membres de l'UDPS, à tous les Congolais qui vous suivent? Quel est le meilleur de vous-même que vous allez vraiment donner à ce travail? Bon, je vais d'abord apporter une petite correction. Je ne suis pas un leader d'opinion. Je suis très mal à l'aise de parler dans un service public d'un parti auquel j'appartiens. Mais si je dois dire un mot parce que vous m'y avez invité, je crois que j'avais un seul leader. Je suis obligé de m'incliner pour dire que c'était le modèle même parfait de servir. Je parlais du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'était le modèle même parfait de servir les autres. Et si cette école dans laquelle j'ai évolué peut me guider avec les collaborateurs, avec tous les agents, pour faire de ce service un miroir de notre pays, je crois que j'en serai fier. Merci. Un dernier message à tous ceux qui vous suivent et surtout à celui qui vous a donné cette nomination, Son Excellence le Président Félix Tshisekedi. Au Président de la République, chef de l'État, le mot remerciement est faible pour m'avoir aussi fait confiance en mes confiances et services que nous avons décrits tout à l'heure. Je le remercie. Et je remercie tous les collaborateurs qui lui ont servi. Et cette ambiance que je connais, je crois que les attentes sont grandioses. Et on va essayer de faire de notre mieux pour que tout le monde puisse se sentir dans un service public. Dans un service public, dans un service, on sert, on ne se fait pas servir. Je vous remercie. Merci beaucoup.